Eh bien, nous voici sur le site du château de Valmy, un très joli château qui, de par son toit polychrome, pourrait se trouver du côté de Dijon. En fait, il n'en est rien. Nous sommes bien dans la plaine du Roussillon. Alors, c'est un château qui est entouré d'une végétation très variée, de nombreux arbres et notamment d'une forêt de chêne-liège qui est classée aujourd'hui. Naturellement, on peut en profiter pour aborder le thème de l'énergie renouvelable biomasse. Et dans ce cadre-là, il est très intéressant de mentionner aussi l'ouvrage « L'éloge de la plante » qui explique ô combien la vie sur Terre serait très difficile, si ce n'est impossible, sans la photosynthèse. Voilà. Et notamment pour ce qui est des mammifères terrestres dont nous faisons partie. Voilà. Donc, naturellement, au niveau de la biomasse, il y a aussi toute la biomasse marine avec les microalgues. Mais ça, bon, c'est un autre chapitre. Voilà, je vais vous quitter pour découvrir cette belle nature sur le sentier qui mène au château.